accepter qu'une femme participe à une quelconque écriture d'une partition ayant pour vocation de contribuer à votre œuvre déjà énorme? Non. Gravitation, gravitation. Est-ce que vous accepteriez qu'une femme intervienne dans vos compositions qui sont pour le moins nombreuses? Eh bien, figurez-vous que cette question, on me l'a posée il y a exactement 8 mois, pendant un concours. Je pourrais répondre que ma musique est très masculine et que donc une intervention féminine est complètement absurde. Absurde dans un sens où les femmes seraient à côté de la plaque à travers mes instruments créatifs. Prenez le film Zardoz. Zardoz est un film brutal et ma musique est orchestrale. À partir de ça, il y a deux fragments. Un fragment historique et un fragment philosophique. Et les sciences dans tout ça? Et les sciences? Eh bien les sciences, je les mets de côté. Car les femmes ne sont pas scientifiques. Si ce n'est Marie Curie, mais qu'est-ce qu'elle a inventé à part une sauce? Eh bien je sais pas. Dans votre monde, y a-t-il une vie animale qui ait survécu? Eh bien oui, il y a une vie animale, et j'y ai pensé longtemps, et je pense que les requins sont toujours là, dans les mers, et sur Terre, des races supérieures d'animaux, bien sûr, et elles seraient pas forcément grandes, mais extérieur, extérieur. Gravitation, gravitation. Est-ce que vous avez l'impression de vous dédoubler parfois? Ça n'a pas grand sens de dire cela, car ma musique est faite de multiples facettes. Je suis un jour une personne et un jour une autre. Ma musique est infinie, comme ce que je pense de moi-même. Quelle définition donnerez-vous à votre musique? Musique, musique. Oui. Eh bien, ma musique, une définition. Écoutez, vous cherchez mon nom dans le dictionnaire et vous trouverez certainement, comme annexe, un mot qui définit la musique que je fais. Ce mot, c'est néo-symboliste. I'm